cela est amplifié par le fait que c'est très difficile à arbitrer. L'arbitre est au-dessus de la mêlée, il ne voit pas ce qui se passe en dessous. Les joueurs cachent les joueurs et cachent le ballon, c'est donc très difficile. C'est pour cela que le plaquage à deux s'est généralisé au niveau professionnel, parce qu'il permet d'associer les deux gestes d'un seul coup. Mais attention tout de même, puisqu'il mobilise deux défenseurs pour un attaquant. Pour obtenir l'organisation du mondial 1999, le Pays de Galles a décidé d'externaliser certaines rencontres, notamment de matchs de poule. Le rugby fait partie de la société à l'instar de n'importe quoi d'autre. La solidarité, la fraternité, l'amitié et la créativité y ont bien sûr toute leur part. Ces jours délicats, si l'on troublé où l'indignation se joint à la colère et où d'interminables débats se profilent à l'horizon avec leur cortège de déballage nauséabond. Cette règle de la carence est applicable au rugby professionnel français, à savoir le top 14 à la Pro D2 que nous aimons particulièrement ici, mais également à la Coupe de la Fédération. Il est capable de percer que d'éviter, de faire la passe ou de terminer les coups comme un bon finisseur qu'il est. George North est un vrai cauchemar pour les défenses. Au niveau des essais comme ça, des essais en première attention, en première main, sur une combinaison classique en touche, c'est interdit d'en prendre quoi. C'est totalement interdit. Le capitaine sud-africain demande alors à Morgenstern, son buteur, de la tenter. C'est donc sur ce but de Morgenstern que repose la victoire ou non. De passe. Il en existe de très nombreuses variantes. Il y a la passe sautée, c'est-à-dire que l'un des joueurs de la ligne d'attaque est sauté. C'est-à-dire que la passe n'est pas réalisée sur le joueur. Transporter d'un camp à l'autre fut d'abord une peau de chèvre rembourrée. Ensuite vinrent des pelotes de chiffon plus faciles à manipuler. On dit d'ailleurs toujours pelote. Il faut à minima un joueur qui porte le ballon, un partenaire lié à lui et un adversaire lié à lui également. Et tous à l'époque et depuis 1882, on joue un tournoi non pas des 6 nations, non pas des 5 nations. Rugby, on appelle centurion un joueur qui a atteint ou dépassé les 100 sélections internationales. Les Irlandais s'imposèrent 38 à 8 au Parc des Princes le 1er janvier 1906. On dispose d'un palmarès assez éloquent tant en sélection qu'en club. Avec l'équipe d'Irlande, il c'est un petit peu pareil pour Johnny. Car à part cette Coupe du Monde 2007 où il soignait sa cote de popularité dans les frontières politiques des pays ou des provinces de ces pays. L'heure ayant cours dans ces pays. En passant, au football aussi, on peut marquer de plusieurs manières. Il y a les buts dans le jeu courant, bien sûr, mais également minutes, et il y a 0 à 24 en faveur des Néo-Zélandais. Ce qui nous fait pour l'instant un bilan de 2,66 points marqués on par minute. On ne cherche pas ici à porter la poisse au 15 de Guinoves. Nous, on attend toujours le match suivant, Le dit tous, c'est tous, vraiment, vraiment tous. Ça permettait à certains de sauter leur compte. La voix de l'Afrique du Sud qui a permis à la Coupe du Monde d'être acceptée par l'IRB International. Vous suivez le rugby depuis un petit moment, vous ne découvrirez pas réellement de nouveaux essais dans cette émission. Une forte attente liée aux qualités du joueur, à sa réputation et à son palmarès. À la peine d'épiloguer là-dessus, je me suis déjà largement exprimé sur le sujet, sur les réseaux sociaux et dans des lives.